Salut tout le monde, c'est Oshikawa au milieu des tirs enflammés et des flammes de l'enfer. C'est ça. Tout ça pour présenter un jeu qui est tout simplement l'un des jeux qui est et qui sera une référence. Qui se nomme Quake. Quake, c'est un jeu sorti en 96, successeur de Doom. D'ailleurs, à l'époque, les développeurs avaient dit que Quake serait à Doom ce que Doom était à Worms Run 3D, au Loup-Garou 3D, je ne sais plus, parce qu'il était révolutionnaire. Donc ouais, je trouve ça... Ça me fait penser un peu à des niveaux de Unreal Tournament. C'est pas du tout le même genre, Unreal est sorti... Si, c'est le même genre. Parce que Quake est connu pour... Il était méchant lui, hein. Ouais. Quake était connu pour être le jeu en concurrence avec... avec Unreal. D'ailleurs, ils se sont battus lors de la sortie. Comment on appelle ça? La sortie en 99 de Unreal Tournament de 1999. Ils sont nommés aussi Unreal Tournament tout court. Hein. Et Quake 3, qui étaient en fait deux jeux qui étaient tous les deux excellents, avec chacun leur différence. Et c'était deux jeux qui s'étaient joués vraiment en tour, hein, comme vous voyez là. Ce jeu-là date de 96 ou 95, je ne sais plus. Et même si en fait vous voyez pratiquement rien à l'écran, vous voyez que des têtes de pixels horribles, je peux vous dire, je sais pas, j'ai testé un autre jeu, c'était Daggerfall, The Elder Scrolls, qui était sorti environ dans la même année, hein, avec un décalage peut-être, et je sais pas, mais c'est plus beau, la maniabilité largement mieux. Ici c'est un FPS, de côté je crois aussi c'est un FPS parce que ouais, c'était première personne, donc oui, on jouait à première personne, donc c'était first person shooter, hein. Attendez, il faut que j'appuie sur trois boutons. Ah ouais. Ok. Il en manque un. Hop là. Donc alors, je vais expliquer le fonctionnement, je vais juste montrer en fait du jeu. Parce que j'ai galère parfois pour faire fonctionner les anciens jeux, c'est chiant, c'est horrible. On peut même on peut rien faire. Eh, ça me fait penser à Zelda, ça. C'est trop génial. C'est beau. Alors j'ai aucun secret, j'ai fait 21 kills sur 23, pardon. Que dire de plus? Je suis nul. Non, bah ça va. Pour montrer quand même la maniabilité du truc, l'un des premiers FPS avec Doom. J'ai peur quand même. Où on pouvait déjà sauter avec un sur espace. Merde. Je sais pas que c'était raid en fait on peut tirer. Ouais. Je suis désolé pour ça, hein. Donc pour tirer, clic gauche, clic droit, un truc bizarre, c'est on avance. Alors que moi je suis habitué au ZQSD. Là. Chose aussi étrange, mais bon, ça peut se comprendre parce que c'est un des premiers jeux, donc on disait qu'on n'a pas vraiment besoin. C'est pour regarder en l'air. Il faut appuyer sur la molette. Donc sur W, sauf que sur W je le ferai pas parce que sinon je vais arrêter la capture vidéo. Une petite gauche pour tirer, hein, normal. Après je sais pas, est-ce que je peux changer d'arme? Ouais,
Je vais en appuyant sur 1, 2, 3 de en haut. Putain, faut vraiment y aller pour avoir assez. Donc ouais. Ah. Ok. D'accord. Là j'ai que 3 armes en fait. Ah oui, lui il explose, je sais pas vraiment. Ouais, c'est quand même un des premiers qui faisait ça quand même. Donc là, d'après ce que je vois, il faut être niveau. Niveau. Il faut avoir une clé qui ouvre la porte. Je sais pas à combien je suis d'armure. Ah non, c'est bon. Donc ouais, en bas vous voyez ce qu'il me reste. Ouais. Ok. Des fois il y a des pièges hein, comme ça où il y a des trucs. Il faut que j'aille autre part pour d'abord trouver la clé. Donc ouais, c'était le jeu qui était en grande concurrence avec avec Unreal. Les deux qui étaient sortis environ en même temps, je parle du troisième, du Quake 3 et de Unreal Tournament, 1999. Je me disais aussi, oui, je peux... quelque part où je puisse aller... Est-ce que j'étais là-bas? Non, bah non. Ça va plus vite quand même. C'est un peu étrange. Le gars qui s'extasie pour rien. C'est super étrange. C'est quoi ça? Donc ouais, il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Au moins une vingtaine d'ennemis différents dans ce truc. Avec... bah ouais, la pièce est ouverte autre part encore. Ouais, j'y avais déjà été tout à l'heure. Connard! Donnez-moi cette putain de clé! Donc ouais, il faut trouver des petits trucs comme ça, je pense. Ah ouais, d'accord. Raté. Donc alors, ne regardez surtout pas ce truc si vous êtes épileptique. Avec les graphismes qui sont au maximum. Ah, attendez, on va voir au maximum, je suis pas sûr. Alors, oui. Quelque chose qui est vraiment important que je voulais pas du tout oublier quand même. Donc alors vous avez le single player. Jeu en un seul joueur, le truc habituel pour l'époque, le truc où il n'y a vraiment que ça pour l'époque, et vous avez un multiplayer. Multiplayer. Ah 96. En 96, t'avais déjà des réseaux sur internet pour pouvoir jouer à multiplayer. C'est un truc qui est quand même assez dingue à penser, vu que maintenant n'importe quel jeu ont un multijoueur conséquent. Et encore il y a 8 ans peut-être, tous les jeunes n'avaient pas un multiplayer implanté. Alors que ça, c'était l'un des premiers à donner cette option là pour multiplayer. En plus, on peut même Maxime PC, mais non, mais... Oh, oui, c'est moi. On avait quoi d'autre? New Game, bah, je suis con. New
New game on peut faire, voilà. Donc je suis un peu surpris de mettre aussi de... Screen design, brightness, speed... Ouais bah y'a rien quoi. Ah oui, on peut même changer, on peut mettre en 800 x 600 quoi. Eh. Mais bon, je vous ai dit pratiquement tout ce que je pensais sur le jeu. Multiplayer, les options, les devoirs, mais bon. Si j'y retourne encore, ça va faire bugger le truc. Je vais avoir des couleurs immondes et donc il faudrait que je recommence tout depuis le début et j'ai pas envie. Mais ouais, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup d'être joué. Alors je ne sais pas où on en est, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je fais là. Comme ça au moins vous êtes clair, vous êtes au courant de toutes ces conneries. J'ai hâte de faire une vidéo, mais sans enregistrer. Donc je vous emmerde. Non, j'ai fait 5 minutes en fait où je parlais pour rien dire, parce que je parlais tout seul. Donc alors, on se retrouve ici. Hein. La bulle verte est très normale. Et j'emmerde tous les monstres qui me veulent la peau. Casse-toi, enculé. On va aller par là. Tant qu'à faire. Allez. Ok, un peu con quand même. Ah non. Elle esquive hein, quand même. C'est bon ça. Mais bon, je vous dis, des jeux comme ça, il n'y avait pas beaucoup quand même. C'était un genre qui était totalement nouveau pour l'époque. Des jeux qui ont marqué une génération entière. Mais même moi, quand même. Même moi qui... Oh, putain. Qui normalement n'est pas un vieux de la vieille. Je joue à ce genre de jeu, déjà parce que... J'ai eu beaucoup d'échos dessus, fut une époque, on disait qu'il était excellent. Simplement maintenant que je m'en rends compte, parce qu'à l'époque je préférais jouer à des jeux beaucoup plus récents quoi. Et c'est maintenant que je me rends compte que j'avais tort, parce que c'est un très bon jeu. Le jeu qui a quand même qui a marqué les développeurs, les développeurs Call of Duty, tout ça, il faut pas se leurrer, ils sont quand même inspirés de jeux, et notamment de deux qui étaient célèbres, c'était Doom et Quake. Ce sont deux jeux enfoirés. Ce sont les deux jeux qui ont permis tout ça. Et qui, le moteur graphique, bon, peut-être qu'à l'époque n'était pas ultra développé, mais justement, tous ceux qui veulent faire du jeu vidéo maintenant, c'est en voyant ce qu'il y avait avant. Ouh là là, j'ai pas vu ça. Un niveau juste devant vos yeux ébahis. Oh putain. Où dois-je aller? Ok, vous avez
Pas méchant. Le ciel bouge hein, quand même. Le ciel est dégueulasse, mais il bouge. Ok. Prends ça, mes créants. Toi aussi. La tuée 20. C'est bon ça. Bon, c'est sur ce que je vais vous quitter. Je vous conseille très vivement d'acheter ce jeu ou d'essayer une démo si elle existe. S'il y a des choses que j'ai oubliées, je les rappellerai dans une autre vidéo peut-être, je ne sais pas. J'espère avoir parlé du moteur graphique, des jeux de lumière, des jeux d'ombre, de faire une célèbre citation des développeurs. Et tout ça pourquoi? Pour que vous puissiez regarder cette vidéo en m'écoutant parler. Et là je dis que de la merde, mais je ne sais pas si vous allez aller jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors je vous remercie d'avoir regardé. Les anciens jeux c'est bon, mangez-en. Aussi, autant que vous pouvez. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une future vidéo. Allez, ciao, bye bye. Et à bientôt tout le monde. Et les filles, si vous voulez, il y a mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas d'écran, si vous pouvez. D'accord? Et salut.